présente, bonjour, je m'appelle Kader Atia, je suis artiste et puis ici nous sommes à l'hôpital de Roufac, l'hôpital psychiatrique de Roufac. Intervenu avec un groupe de patients pour la réalisation d'une œuvre qui se trouve derrière vous. La réalisation de cette œuvre a été effectuée cette semaine pendant 3 jours. Il s'agit de 15 tiges en inox surmontées de cymbales en inox. L'idée était de revenir, après avoir conçu ce projet, à la simplicité et élémentaire, vraiment au caractère élémentaire du concept, c'est-à-dire à retirer un peu tout ce qui apparaissait comme superflu et ne garder que ces tiges et leurs cymbales. Ces cymbales, en fait, sont perpendiculaires au ciel, ce qui fait que lors d'un orage ou d'une pluie très très forte, elles émettraient le son de l'impact des gouttes de pluie sur elles. Bon, je ne parle pas de ce que ça pourrait produire s'il y avait une averse de grêle. La problématique, en fait, d'une œuvre d'art dans un contexte comme celui-ci est qu'elle doit, quoi qu'il en soit, tenir compte de la spécificité de cette situation. C'est la raison pour laquelle j'ai impliqué les patients et aussi le personnel technique de l'hôpital dans ce projet. Maintenant, est-ce qu'on pourrait réaliser cette œuvre à un autre endroit? Pas forcément d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique, je crois que oui. L'idée essentielle et principale de cette œuvre, c'est de faire ressortir ce qui m'apparaît comme le plus important, et dans l'art comme dans la vie, à savoir la poésie, à savoir l'expérience d'une œuvre qui reste et qui joue avec des choses très profondes que nous avons en nous. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est que ces pièces soient amovibles, en fait, qu'elles bougent et qu'elles soient donc vraiment sensibles à ce qui pourrait tomber du ciel. Elles sont toutes comme ça. En fait, de départ, qui a été poursuivi jusqu'au bout, jusqu'à hier, c'était d'impliquer différentes parties, en fait, de l'hôpital, du personnel soignant, du personnel technique, des patients, autour du montage, de la réalisation de cette œuvre. L'hôpital de Roufac est à l'image de notre société où toutes les choses sont cloisonnées, où finalement il y a peu d'échanges entre les secteurs. Et ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'art comme possibilité, dans un premier temps, de dialogue, en fait. L'idée première, en fait, c'était un travail d'équipe. Et puis, en fait, quand on voit le résultat, je pense que, justement, ça s'harmonise avec la nature. Ce qui m'a un peu impressionné, c'est la vitesse à laquelle les gens se sont investis dans le projet. Très, très rapidement, ça s'est mis en œuvre. J'étais vraiment très, très surprise et très étonnée par la cohésion du groupe, la rapidité d'exécution. Et bon, moi, je me félicite parce que vraiment, chaque fois que je suis venue, il y avait une concentration, un sérieux dans la réalisation du travail. Et quand tu vois le résultat, justement, de cette œuvre aujourd'hui, dans le bassin, ça a changé de dimension, quoi. C'est quasiment organique alors que c'est que du fer. C'est devenu vivant, quoi. Ouais. Bon, cette œuvre-là, j'y ai participé, donc c'est devenu... c'est à la fois un morceau de moi-même et en même temps, c'est quelque chose qui s'est détaché de moi. Ça a pris une autre dimension, ça nous a quittés pour exister, quoi. J'ai eu beaucoup de retours positifs, qu'il était très investi, il y avait une très bonne entente dans le groupe. Hein, quand il me parlait, c'était vraiment une générosité aussi de vous, hein, de votre part, qui disait oui, on est tout de suite à l'aise, il nous met à l'aise. Voilà, Eric, il s'est tellement investi, je dirais, qu'il m'a dit,
Là, je suis contente que ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est un investissement aussi physique, mental. Voilà, il a beaucoup donné. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « C'est parce que nous sommes tous différents que nous sommes semblables ».